les stats 0,25, c'est reparti pour la suite d'Uncharted 4 sur PS4. Donc voilà, donc on a encore voyagé. Et on va essayer d'explorer ce nouvel endroit. Alors j'ai fouillé un peu partout. Comme d'hab, hein, j'essaie de retrouver un peu au maximum, de récupérer le maximum de trésors. J'avais regardé un peu sur... en off, tout ce qui me manque, le niveau d'avance, il manquait pas mal, enfin j'en étais sûr, hein, avec la voiture. C'est pas évident de passer partout et de trouver tous les trésors, je crois qu'il faut passer un temps fou à mon avis pour tout trouver. Mais ça je le ferai plus tard. Hein. Pour le moment, hein, j'essaie de trouver le maximum pour voilà, perdre moins de temps hein, à en trouver pour la prochaine fois. Donc voilà, j'explore un peu, hop, là il a l'air de rien de voir. Il a l'air de rien d'avoir du tout. Ok, bon, bah c'est tout, on y va. On y va. Bon, ça y est, un marché, putain de merde, alors il doit avoir pas mal de choses, je suis sûr. Excuse-moi. On a fait une offre. Rappelle-moi ce qu'on fait. Ça dit, je sais même pas où est-ce qu'il faut voir ça et tout. Je sais pas combien il y a de trucs à trouver, à mon avis, ça doit être immense. Alors. Putain, je m'enfonce, mais. Ah, voilà, vous voyez. Vous avez ramassé un trésor. Hop. Donc, voilà, une tasse. Donc, vous voyez, de d'ici, voilà, de la tabatière à pièce de 2 pence écossais. Parce qu'apparemment, ils ont l'air de. Enfin, de diffuser les trésors dans l'ordre des chapitres. Et du coup, il me manque tout ça, quoi. Vous voyez, tout ce qui me manque, c'est énorme. Donc, je sais pas comment j'ai fait pour les louper, mais voilà. Donc, tant pis, hein, c'est pas grave. Et je pensais pas en louper autant, quand même. Mais je crois que dans le chapitre où il y a la voiture, je crois qu'il doit en avoir 9. Il y a un chapitre... Ouais, je crois que c'est que celui-là doit avoir 9, on en avait trouvé que 3. Et celui d'avant, donc c'était peut-être le 9, chapitre 9, je crois, je sais plus. Il y avait 12 à trouver et j'ai même pas eu la moitié. J'étais juste en avoir en trouvé 3 ou 4. Donc c'est vrai, toi, il m'en manque énormément. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, je sais, je m'attarde un peu sur les trésors parce que j'aime bien, en fin de compte, de rechercher. Tout ce qui est trésor, j'aime bien ça. Ouais. Ouais. Déjà dans Tomb Raider, je passe un temps fou à les retrouver, même dans les Assassin's Creed, c'est pareil, j'aime bien. Bon, ça prend beaucoup de temps par contre, ça, genre ça, attendez-vous tout. Je vous l'accorde, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Faites la queue comme tout le monde. Oui, bah c'est bon, fais la queue comme tout le monde. Là, y a rien, ok. En tout cas, je sais même pas où ce qu'il faut que j'aille. Tac, mais j'avance. Tac, donc là, je viens de là-haut, à l'escalier là-haut. On va essayer de faire un peu en... le marché en vertical, hein. Peut-être que j'ai trouvé des trucs intéressants. Là, il n'y a rien. Que dalle. Là, on va aller dans ce petit coin-là. Ah, il y a un truc là. Ça date de l'époque dernière. Où est-ce que vous l'avez eu? Ah ça mon ami, c'est un objet vraiment unique, je peux vous faire un prix. Je vous le fais à 500. Ah vous rigolez là. Je sais même pas s'il est authentique. Une arnaque. Je vous en donne 50$. Allez, 400$. Il est authentique. J'ai d'autres acheteurs qui sont très intéressés. Allez, crois. 200$. Ok, c'est tout ce que j'ai. Je peux pas vous vendre cet objet pour moins de 300$. Ce sera ma dernière. D'accord, je la prends. Pour 300. Hey, t'es sûr? Ok. T'as vu ça? Roi du marchandage. Si tu le dis, petit. Bon, j'ai une boussole. Ah, d'accord. J'ai carrément acheté des... Ah, c'est plutôt marrant, ça. Ouais. J'ai acheté un trésor. Ça, c'est rare que ça arrive en fin de compte. J'ai jamais vu ça, même dans les Tomb Raider, de devoir acheter ces trésors. C'est plutôt pas mal. Pourquoi pas. Bah, par contre, t'as intérêt à faire le marché en fin de compte. Attends, là, j'ai déjà été.
vois rien. Attends, je vais aller un petit peu plus par là. J'essaye de voir des trucs qui brillent, mais j'en vois pas des masses. Tac. Là, y a rien. Total. Là, y a rien. Tac. Total. Bon, voilà, il a l'air de plus rien à foutre. Attends, j'allais au bout là-haut, parce que je crois que j'ai fait un petit enfoncement. Là, je crois que... Ah non, j'avais cru. Ok. Donc, je crois que j'ai fait un petit renfoncement exprès. Mais... Ok, bon, on descend. Il n'y a rien. Ah! Et mon pote, comment ça va? Ça te plaît ça? Hé, hey, la tour. Eh hey, mais celui vient voir, ça a les murs. Allez, viens lui dire bonjour. Non merci. Trop mignon, il est trop marrant. Oh, hey, ouais. Hey, celui, regarde qui revoilà. Il va... Il va me piquer un truc tout à l'heure. C'est vrai qu'il va me choper un truc. Là y'a rien. Je ne vois rien. Là non plus. Pas que d'elle. Hey Nate, tu veux pas que tu en achètes une? Sully, t'es pas bien de porter une chemise pareille. Oh. Ça l'est, mais bon. C'est la même, on dirait. Bon, là, y'a rien. On monte. Ça sent super bon ici. Putain, encore tout ça. À manger, manger. Il a raison. Ça sent très bon. Y'a pas d'autres interactions? Attends, reviens. Tac. Hé, hey, attention. Ouais. Ouais, j'ai rien du tout. Oui, madame. Je vois rien du tout. Pardon. Pas que dalle. Là, y'a rien. Je regarde juste là, on va voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Non, il n'y a rien du tout. Ok, bon, on y va. Ah, nous y voilà. C'est fermé. Va falloir qu'on se faufile à l'intérieur. Discrètement. Oui, c'est ce que je voulais T'as dire. T'as vu une fenêtre cassée, toi? Je t'entends vite, tiens. Alors, fou, les gens claquent dedans. Putain, mais y'a rien. Ok, ok. Comment veux-tu que je fasse Ah, attends, il y a un truc à bouger, non? Non, c'est pas ça. Ah, mais tu veux que je fasse comment? Sully, dis-moi. Ah, tu veux que je fasse comment? Un peu le paysage. Et merde alors! Putain, tu veux que je fasse quoi là? Ouh.
rien. Y'a rien. Hey, par ici. Ah. Ok. Putain, laisse-moi que tu réagis, toi, depuis tard que j'étais là. Là-bas, elle est cassée. Ok. Hey, Sully. Ah, d'accord. Je pense qu'on peut passer par là. C'est parfait. Oh là, ça me semble interminable. Tout va bien pour toi? T'avances à ton rythme et moi j'avance au mieux. Ouais, au moins, on a le temps d'apprécier cette belle vue. Voilà. Ah ben voilà. Ok. Bon, on va faire le tour des lieux. Bah dis donc, cette tour-là est en bien meilleur état que toutes les autres. Elle est située en plein cœur de la ville. Ça peut nous compliquer légèrement la tâche pour sortir le trésor. Chaque chose en son temps. Va déjà falloir qu'on évite d'attirer l'attention sur nous. Ça sera bien. Là, je longe un peu partout, l'église, rien du tout. Ah, voilà. Bon, faut remonter. Joli. Putain, je sens qu'il va falloir monter tout en haut. Non. Ouais. Ça, tu l'as dit. Putain, la misère. Ok. Alors là, c'est vraiment... Attends, je regarde le tour, je sais le tour, avant qu'il y ait une animation de à deux balles et puis qu'il m'empêche. Je fais d'abord le tour en vitesse. Ah, mais il y a un mécanisme. Oh, il va y avoir un mécanisme, tu vas voir. Putain, un bon petit casse-tête. Donc ça sert à rien d'aller faire tout le tour, à mon avis. Hmm. Tiens, qu'est-ce que tu paries? Oh, oh, oh. Un scorpion, un type avec une espèce de... Ce sont les signes du Zodiac. Les signes du Zodiac, c'est le lion. Le lion. Ah, et là, le taureau. Lion, taureau, vierge ou... Quatre cloches, tout là-haut. Et ces trucs, là, où nous sommes, ça ressemble à des serrures, non? J'ai compris. Allons sonner les cloches. Bon endroit, c'est sûr. Appelle ça. Tout de suite. Scorpion, perso. D'accord. Alors, la, les statues apparaissent dans cet ordre. Donc d'abord le scorpion. Scorpion, verso, lion, taureau. Allez, pas la peine d'attendre plus longtemps. Scorpion, verso. Scorpion. D'abord le scorpion. Scorpion d'abord. Scorpion et vierge. Je reviens tout de suite. Oh. On peut se tenir là-dedans? C'est pas croyable! Et t'as vu ça, Sully? L'horloge marche encore! Ouais, j'avais remarqué! Essaie de pas te retrouver coincé dans tous ces engrenages! C'est clair! Ok. Purée. Oh, oh, oh. Allez, monte, monte, monte. Tout va bien? Ouais, pas de problème. Je sais quoi là? Ah, il y a encore l'eau? Non. Ah.
enfin, tu fais quoi là? Merde! Ah, d'accord, ok. Ok, attention à tes doigts, Nate. Ouais. Non, tout va bien. T'inquiète pas. Ouf, t'as la vache, ces trucs de merde. Ok. Ok, donc là... Ah, mais non, c'est pas ça, moi. Il faut d'abord le scorpion. Là, c'est le lion. Il faut le scorpion d'abord. Oh là là, je sais comment. Le scorpion là-bas. Ah, le, là, le scorpion. Donc c'est bien ça, hein, scorpion. Alors scorpion, vierge, scorpion, verso, lion, taureau. Scorpion, je parie qu'il y a des scorpions. C'est pas cool pour mes oreilles. Hey Nate, ça a fonctionné. La serrure du scorpion vient de se débloquer. Ok, donc okay, il faut le verso. Passe à la deuxième maintenant. Donc il faut le verso. Ah, le verso, on fait comment le verso? Est-ce qu'il faut que je monte la merde? Ah! Zut! Si je fais ça. Ah, c'est le lion. Moi, il faut que je remonte encore pour le verso. Ah, mais il n'y a plus rien après. Attends. Faut que je fasse ça, mais de l'autre côté, je pense. Hop, on va faire ça de l'autre côté. Non ? Voilà, c'est bon. Tac. Allez, allez. Oh purée. Oh, 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 oh la vache, ce truc. J'ai envie de vomir, ce truc. Ah bah ouais. Ok. Oh purée. C'est bon. Ok. Et Sully, des nouvelles? Le taureau, ça c'est le dernier. Et qu'il me faut l'autre. Il a dû oublier de charger son téléphone. Putain, faut que je remonte encore en haut. Je sais comment là. Putain, merde. Putain, c'est galère la grimpette là. Faut que je monte en haut moi. Ah mais ça va pas ça. Comment tu veux que je fasse pour monter en haut? Ah si, le verso il est là. Il est là. Je l'avais pas vu. Ok, donc verso. Après c'est scorpion et on termine par le taureau. Deux de fait, plus que deux petits. Bon, voyons voir. Du coup moi il me faut le lion. Oh oh oh. C'est quoi ce truc?
Ben. Il veut pas monter, non? Je peux descendre là? Je grimpe sur ce balancier. Oh là là, attends. Merde alors. Ah, je suis un peu paumé là. Merde. Ah non, parce que là, j'ai retourné là où j'étais tout à l'heure. C'est quoi ce bordel? Ah si si. Ah d'accord, ok, ok. Ouh là là, dis donc. C'était pas compliqué, mais voilà quoi. Alors le lion. Et après, c'est pas le taureau. Ok, c'est cool. Il reste plus que le taureau, c'est bon. Ok, il en reste plus qu'une. Ok, donc le taureau. Putain, où le taureau? Je sais plus, d'être en haut, je crois. Putain, je sais même plus, merde. Ah zut! Arrête d'être en haut, je pense. Le taureau, il était. Putain, je sais plus, putain, par contre. Ah, là, bah, il est là, putain. C'est bon. On y est. Et hop, allez. C'est bon. Eh ben dis donc. Et le taureau. Ben voilà. Ouverture des portes. Hey, ça a marché. Ah, il y aura quoi, un putain d'escalier, non? Tête de mort. Merde, c'est tout, il se passe rien. Regarde, il y a bien cette grosse cloche là tout en haut. Oh non. Attends, oh, je vais aller voir. Putain. Ah. Ben voilà. Là, ça stoppe tout. Non, attends, donner en plus. Super. C'était sympa. Ouais. Ici, je peux changer l'heure. L'heure? On fait quoi? Ouais, mais quelle heure? C'est pas ce drone.
Tu vois, moi, après. Et là, se passe rien. Je ne sais rien. Mon âge ne me sert pas à grand chose. Je vais peut-être regarder par cette fenêtre. Ah, la fenêtre. On doit ? Pourquoi la fenêtre ? Ah, d'accord. Ça, c'est une sacrée vue. Ouais. Une superbe vue. Alors. Du coup, il va falloir se mettre là, moi, je pense. Ah d'accord, peut-être pour aller de l'autre côté, il faut que je bouge vers non. Ouais, j'ai essayé de le mettre sur... ouais. Sur le corps. On va essayer de faire ça, attends. Tac. Yes, attends. Allez, vas-y encore. On a essayé un truc comme ça, je pense. Voilà. Comme ça, je peux aller de l'autre côté, non? Comme ça, voilà. On va essayer de faire comme ça. Non. Oh, putain, c'est barré la machine. Putain, c'est pas cool les gars. Ouais, je l'ai vu toi. D'accord. Ah ouf, putain. Ok. Ça c'est fait. Oh, ça va casser. Ah, okay, c'est bon. Voilà. J'espère vraiment que tout va bien pour toi, Sam. Je vais faire le tour parce que t'es peut-être à 13 ans de monter là-haut. Il y a peut-être un petit truc, non? Une petite récompense? Même pas! Ah, si, quand même, la... D'accord, ok. Bon, allez, on y va. C'est bon, Sully, j'ai réussi! Ça va faire du bruit! Oh merde! Sully, attention! Désolé, la poignée s'est cassée! Oh, du coup, faut que je rappelle quelques noms. Moi-même. Ah, je lâche mon classe. Allez, on y va. Oh, 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 oh. Merde. Je l'ai vu à la dernière minute avec son crochet là, putain. Il se lit où? Il s'est fait crever ou quoi? Oh, oh putain! Tiens, celui. Oh merde! Ah, le bordel! Au moins, j'ai réussi à ouvrir la porte. C'était une façon de faire. Tout va bien? Je sais pas encore. Et toi? Je suis sourd. Allez, voyons ce qu'Avry nous a réservé de beau. C'est bon. Ouais.
Et soulève. Tiens, regarde. La pièce. Tu la veux? Ouais, bien sûr, pourquoi pas. On descend voir? Je croise les doigts pour qu'on tombe sur les tonnes d'or et de bijoux. Sam, enfin, tout va bien? J'ai fini de fouiller ma tour, j'ai rien trouvé. Ouais, bah, nous, on est au bon endroit, y a aucun doute. Viens vite nous rejoindre. Ah bon, t'es sérieux? Ok, ok, j'arrive. Il arrive. Cool. En tout cas, c'est immense, waouh, wesh. Je l'ai. Je suis là, t'inquiète. Wow. Pour la fauche. Wow. Joli. Ce serait pas nos gars, là? Ouais. Henri Avery, Thomas Thieu, complice de toujours. Je fais tout le tour et après je joue au point central. Voilà, il n'y a rien à voir. Ok, on y va. Les fondateurs, ils ont fait quoi? La pire de toutes les chasses au trésor. Ce sont les sceaux d'Avry et de Thieu. Mais ils sont légèrement différents. Ouais, il y a les motifs d'étoiles dessus. Il pivote. Dans quel sens je dois les tourner? Voilà. Okay. Je tiens un coup d'œil. Ouais, mais attends un peu. D'autres symboles de pirates. Adam Baldridge, Anne Bonny et... Christopher Condent. Il faut les bouger encore. Attends. Si on fait comme ça. Ah merde! Peut-être... Comme ça. Non. Merde! Non, attends, comme ça. Non? Ah, purée! C'est pas vrai! C'est quoi ce bordel? Tac. Putain, je sais rien du tout. Merde, j'ai du mal à voir les marques. C'est quoi ce bordel? Ah!
Bon, c'est tout. Je vais essayer de faire ça en off, je pense. Parce que ça commence un peu à prendre la tête. Je pense que ça va durer un moment. Donc c'est tout, je vais revenir après, une fois que j'aurai trouvé la combinaison. Parce que là, je ne vois pas. Pourtant, il y a les marques sur les côtés, enfin autour, hein, dans le cadre. Mais j'essaie de le faire correspondre, mais j'ai vachement du mal à voir. Non. Bon, c'est tout, je dis ça à tout de suite pour essayer de retrouver la combinaison. Ça va pas être évident. Sur ce, à tout de suite. Il y a beaucoup trop de possibilités. Et si on allait voir où conduit cette porte? J'espère encore trouver un trésor ici. Pareil pour moi. Chercher un carré ornementé dans chacune des peintures. Peinture, quelle peinture? Oh, mais faut s'aider. Tiens, regarde, j'avais raison. Baldridge, Bonnie et Condant. Magnifique. Mais qu'est-ce qu'ils font là exactement? Allons le découvrir. Ah oui, c'est vrai. Condant était appelé Billy le Manchot. Il devait avoir une fausse main. Bonnie était rousse. Ah ouais. Non. Nada. Tiens, des étoiles. Ce sont les mêmes que celles sur les sceaux d'Avery et de Tew dans l'autre salle. Ah, t'as raison. Ah. D'accord. Voilà encore un de ces motifs d'étoiles. Ouais, mais celui-là est un peu différent du premier. Ah ouais, bien vu, dis donc. Merci. Tu vois, je suis pas seulement qu'un beau gosse. Et Adam Baldridge. Ah, quelle moustache. Presque aussi impressionnante que la tienne. Qu'est-ce t'en dis? Le sceau d'Avery et celui de Tew. Les étoiles dessus s'alignaient, tu te souviens? Je parie que celle-là aussi. D'accord. Bon bah finalement c'était pas trop compliqué finalement, hein. Je pensais vraiment que ça allait être la merde. Tac, rangé. Tac, comme ça. Non, comme ça, rangé. Et voilà. Ça a l'air d'être bon comme ça. Hop, on va voir ça. Donc, du coup, alors, donc celui-là, on le tourne à droite, le deuxième à gauche, et l'autre à gauche aussi, je crois. Voilà. Eh ben dis donc. Il y a un nouveau passage. Ouais. Et qui c'est tout cela? Eh ben c'est... on dirait... Ouais, t'en sais rien quoi. Et je te signale qu'il y avait beaucoup de pirates à l'époque. Alors on est coincé? On n'est pas coincé. Arrête. Ton téléphone. Ouais, c'est l'appel à un ami? Pas loin. L'appel à un ami. J'appelle Sam. Ah, prendre la photo, bien. Je suis en train de me dire qu'est-ce qu'il veut que je fasse. On prend même les photos, voilà. Disons. Tâche. Très tendance. Elles sont vraiment très belles, ces peintures. Encore? Si jamais on trouvait pas le trésor, on pourrait toujours les vendre à un musée. Concentre-toi déjà sur les étoiles. Ok, c'était pour dire. William Mays. Américain? Ouais, de Rhode Island. Comme Thomas Tew.
Ah, elle est là. Et ben voilà. Encore un petit dessin. Ouais. T'es encore dans la tour ? Je viens juste de descendre là. C'est quoi la photo que tu m'as envoyée ? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, dis-moi juste qui tu vois. Alors déjà, les dauphins, c'est Richard Want. Ensuite, le trident, c'est Joseph Farrell. Et les deux mains avec la perle, c'est William Mace. Super. Reste dans un endroit où tu captes, au cas où j'aurais besoin de toi. Mais Nathan, t'as trouvé le trésor ? Non, pas encore. Mais j'ai un mécanisme à résoudre. Je te raconterai. Des livres, un globe. Ce Want, ça devait être un érudit. Ah, Richard Want, il était le capitaine du Dolphin. On dirait que lui et Baldridge, ils faisaient un concours de la plus belle moumoute. Ah non, il y a le truc. Ok, Richard Want. J'ai fait les trois là. Attends. Un, deux. Et là, tu peux m'aider celui ? J'arrive. Merci. Ah, c'est le dernier étape, d'accord. C'est droit ? Mais qu'est-ce que Joseph ça Farrell. Bah, ça me gêne. Oh là, regarde la tête de Farrell. Il a pas envie d'être là où il est. Putain, mais je vois pas clair ou quoi ? Il est là. Voilà. Oh, oh là là. C'est tombé. J'ai les yeux qui fatiguent, moi. Ok, c'est bon. Et après, je fais quoi, là ? Ok. Donc, alors, ça fait... Non, attends. Déplacer. Tac. Donc 3 tots. Attends, tac, ça fait 5. Examiner. Prendre et on le tourne comme ça, je pense. De deux. Non, ça correspond pas. Parce que ce bordel. Là, ça correspond. Et là. Ça va être comme ça, hein, je pense. Hop. On va essayer. Merde. Ah zut, je me souviens déjà plus. Tac, comme ça. Laisse. Ouh. Encore. Ah non, c'est bon. Encore. Oh non. C'est qui ces pirates? Franchement, ça me surprend beaucoup que tu les reconnaisses pas. Mais si, je les reconnais. Je veux juste vérifier que Sam aussi, parce qu'il aime se sentir utile. C'est juste ça. Ah ouais, c'est juste ça. En fait, c'est pirate connu quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah merde ! Je dirais que c'est une torche qui s'est décrochée. Viens, on va voir ce qui reste. Je reconnais pas ce type. Il a l'air beaucoup plus jeune que les autres pirates.
Ah, y a pas de nom en plus, sûr. Tiens, Sam vient de me répondre. Ça dit quoi? Tu vois celui? Edward Englund, Tariq Bin Malik, Yazid Al-Spasra, je n'avais encore jamais vu le saut du singe. D'accord. Pas de nom. Ce type est habillé comme un mort. Ah, je le vois, il est en haut. J'ai trouvé les étoiles. Okay. Mais qui tu peux bien être? Yazid Al-Basra. On dirait un indien. Presque. Un mogol. Attends, c'est pas les mogols qu'Avry a dépouillés? Code d'honneur des voleurs. Ouais, comme s'il était toujours respecté. Ah, ici, il est là. En voilà toi. Ok. C'est bon. Et lui là, Edward Englund. Petit au sac. Edward Englund. C'est bon, on va aller là-haut. Ok, donc on va regarder le bordel. Bon, j'ai les noms de deux d'entre eux. Ça devrait suffire pour trouver la solution. Les trois, il va là. Ah, attends. On va le tourner comme ça. Comme ça. Ça. Tac. Ah merde, je croyais que ce serait bon. Ah si, si, c'est bon. Attends. Tac tac. Ah c'est bon. Normalement c'est bon. À l'envers. Non, tac tac, ça c'est à l'envers. Non? Ah, ça marche pas! C'est pas ça. Ah zut! Putain! Pourquoi ça veut pas? Là, ça correspond pourtant. Un, deux, trois, quatre.
Ok. Non, attends. Il y a un. Ça passe pas. Deux. Il y en a deux là. Attends. Là, ça passe. Ah non, ça passe pas, putain. Ah! Ils sont trop écartés. Il y a 3, 4, 2. Ah ben non, c'est les deux, attends. Ça, voilà. Ah bah non, ça veut pas. Ah, c'est quoi ce bordel? Ça va pas. Là, ça correspond là pourtant. Là, ça correspond. Et là, ça correspond, donc c'est bon. Ok, un à l'envers, l'autre sur le côté. Ok, donc c'est l'autre. Non ? Arrête, va. Il devrait se retrouver la tête à l'envers. Ah non, c'est lui qui est mal mis. Ah putain la vache. Alors qu'est-ce qu'on a? Bah je sais pas trop encore. Tu veux peut-être l'envoyer à Sam? Vraiment? Quoi? C'est pas moi qui dis que c'était l'expert en piraterie. Mais c'est toi qui vois. En voilà déjà une. Et la deuxième. La dernière. Voilà, on va voir ce qu'il va en tirer. Tu sais, ça me fait penser à... Attends. Qu'est-ce que tu fais? T'as juste pris des photos. Prends ça. Ceux qui passaient ces épreuves, ils avaient sûrement pas de smartphone sur eux. Oh, t'es sûr? Alors, dans ce cas, ils avaient qu'un moyen de trouver l'indice suivant. Ça? Des indices? Ouais, fais voir. T'as la lumière, non?
Ah, ben voilà. Et voilà. Alors, ici, ça se pourrait bien être des alizés. Ouais. Et ici, on dirait des latitudes. Ouais. Si je comprends bien, va falloir qu'on remette les voiles, matelot, c'est ça? Quoi? Prodeus quad licentia. Non, non, c'est pas possible. Quoi, pas possible? Oh là là, c'est tellement évident. Nate! Pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux? Arrête de jouer les mystérieux, c'est bon, hein? Dis-moi plutôt de quoi attends, tu parles. Attends, attends. Sam, t'as eu les photos? Quelle surprise! Je crois merde! Sur le téléphone de Sullivan et devinez qui décroche. Ça va, Nate? Salut, Rafe. Ça fait un bail. Comment t'as eu ce numéro? Sullivan l'a laissé sur une serviette? Si seulement. Ça aurait pu me coûter que quelques verres de rhum. Mais non, au lieu de ça, j'ai dû payer le prix fort pour vous trouver. Ah. J'espère que t'as pas trop dépensé dans toute cette histoire, parce que la concurrence est rude. Ouais, c'est vrai que t'as pas trop mal assuré jusque-là. Mais tout ce qui compte, c'est de mettre la main sur le trésor d'Avry en premier. Est-ce que tu me lances un défi? Nate, tu sais que je suis du genre joueur, mais ma partenaire, elle est plutôt du genre à se dispenser de prendre des risques inutiles. Wow, Rafe Adler, qui reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. C'est fou ce que les temps changent. Écoute, Nate, je vais te faire une offre qui sera valable qu'un temps. Tu laisses tomber, tu rentres et tu vis ta vie. Et je suis prêt à tout te pardonner, en souvenir du bon vieux temps. Aussi tentant que ça puisse paraître, Rafe. Je t'avoue quand même que c'est pas trop mon genre de renoncer alors que je suis en tête, tu vois. Très bien. Prodeus quod licentia, pour Dieu et la liberté. Très belle photo, Nate. Bel angle de vue. T'as piraté nos téléphones. Tu m'as volé la croix. Écoute, Nate. Si t'es à moitié aussi malin, je crois, tu vas accepter mon offre. Tu décides quoi? Ça m'a fait vraiment plaisir de te parler après tout ce temps, mais je dois prendre cet appel, alors. Attends, Nate, raccroche-moi. Nate! Quoi? Dis-moi, t'es au courant que sur les téléphones actuels, il y a des puces GPS, hein? Oh là là. On se voit bientôt, mon pote. À mon avis, il en veut aller à la cavalerie. Eh oui. Merde. Laisse-moi deviner, des types armés vont débarquer dans le coin. Sam. Pour Dieu et la liberté. Nathan, tu sais ce que ça veut dire? Sam, écoute-moi. Tire-toi de là où tu es et détruis ton téléphone. Qu'est-ce qui se passe? Rafe nous a localisé. Oh ah bah, tout tard. Sam. Sam. Un autre. Bon, ben voilà. Ça va être chaud, je crois. C'est la tour de Sam. Ah merde. Aucun doute, c'est bien la tour de Sam. Allez, viens. Par ici. Ah, excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Je pense que Rafe sera là dans combien de temps? Ce que je sais, c'est que je vais pas l'attendre ici. Eh ben, dis donc. Il est dans la merde.